Si est-il célibataire que Valentin a fini l'année 2022. Le candidat de l'amour est dans le pré 2021, M6, a annoncé sa rupture avec Charley, le soir du réveillon de Noël. Et, en commentaire d'une photo de Franck, qui a également participé à l'émission présentée par Karine Le Marchand, il n'a pas épargné son ex-compagne. Le producteur de fleurs comestibles de 28 ans qui vient de Bretagne a eu un véritable coup de cœur pour Charley lors du speed dating. Sans surprise, si est-il donc vers elle qu'il cesse rapidement tourner lors du séjour à la ferme. Et si est-il ensemble qu'ils ont fini l'aventure. Même si la dentiste ne souhaitait pour l'heure pas déménager dans la région de Valentin, leur relation à distance fonctionnait. Jusqu'à il y a peu. Je vous remercie pour vos messages de fête mais je dois vous annoncer que la relation entre Charley et moi a pris fin. Point. Je vous souhaite malgré tout de bonnes fêtes et plein de bonnes choses, aimez-vous, appréciez-vous, profitez des bons moments, je vous embrasse, avait-il écrit. Visiblement, Valentin et Charley ne se sont pas quittés en bons termes. Nos confrères de Voici ont repéré des messages que l'agriculteur a postés en commentaire d'une publication de Franck, qui souhaitait ses meilleurs vœux à sa communauté, des déclarations supprimées depuis semble-t-il. Il vaut mieux être seul que mal accompagné comme je l'ai été, je sais si est-il dur mais quand je réfléchis, j'ai été berné, des bisous et bons vœux mon Franck, a-t-il écrit dans un premier temps. Une internaute lui a alors expliqué qu'elle ne comprenait pas pour quelle raison certaines prétendantes participaient à l'amour et dans le pré, si elles n'étaient pas prêtes à faire leur vie avec l'agriculteur. Boar, elles savent pas ce qu'elles veulent, mais elles savent bicher pour retrouver quelqu'un assez vite, pas comme nous qui croyons en l'amour éternel, a alors répondu Valentin. On comprend donc que Charley a retrouvé quelqu'un. Mais pour l'heure, la brunette ne s'est encore jamais exprimée sur le sujet.